présente Catherine Froelich, qui est professeure ici à l'ESPUM et à l'ERSPUM, puis c'est aussi la chercheuse principale du projet ISIS. Pour les derniers 25 ans, Kate a dédié son travail à l'amélioration des inégalités sociales, de santé et de tabagisme. Son programme de recherche porte aussi sur les questions d'inégalité en santé urbaine, en promotion de la santé et en sociologie de la santé publique. Fait Kate va brièvement nous présenter le projet ISIS et la thématique d'aujourd'hui. So I would like to present Catherine Froelich, who is a full professor here at the ESPUM and the ERSPUM and the principal researcher on the ISIS project. For the last 25 years, Kate has dedicated her research to better understanding social inequalities in health and in smoking. More broadly, she's also interested in issues of inequalities in urban health, health promotion, and sociology of public health. She will briefly present the ISIS project and the theme of our symposium. So over to you, Kate. Merci beaucoup, José. J'aimerais bien vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue à notre événement. Merci tout le monde d'être venu à l'ESPUM, dans nos bureaux, et cet événement co-organisé avec l'aide de l'IRESPUM. I would like to begin by acknowledging that the land on which we gather is the traditional and unceded territory of the Kanyenkehaga, a place which has long served as the site of meeting and exchange amongst nations. So, l'événement aujourd'hui joue deux rôles. D'abord, c'est une célébration de 7 ans de travail sur le programme de recherche connu maintenant sous l'acronyme ISIS, qui a débuté bien avant Daesh d'ailleurs. Je voulais offrir aux collaborateurs et aux étudiants associés avec ISIS depuis le début l'occasion de partager le fruit de leurs réflexions et de pouvoir échanger sur ce qu'ils ont appris avec leurs collègues universitaires. Donc, une bonne partie de cet après-midi, c'est vraiment une célébration des résultats que les collègues ont eus depuis des années, depuis 2011. Mais ce n'est pas juste ça. C'est aussi la capacité d'échanger avec une variété de gens travaillant sur la même thématique, les inégalités sociales de tabagisme. Et je suis ravie que vous êtes là en grand nombre de différents univers. C'est vraiment une occasion aujourd'hui de pouvoir partager autant nos résultats, autant ce que vous faites dans le milieu, en pratique. On veut vraiment créer un échange. Donc, merci José d'avoir invité tout le monde pour le 5 à 7, mais je pense que le 5 à 7 a probablement un rôle aussi important que le restant de la journée parce que ça donne vraiment l'occasion d'échanger sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, je vous invite à considérer la journée comme une conversation et pas une présentation. Notre objectif est aussi de pouvoir réfléchir sur les politiques publiques. Donc, nos résultats sont plutôt d'ordre épidémiologique, mais on vise vraiment à réfléchir, c'est quoi les prochains pas sur les politiques publiques pour réduire les inégalités sociales, en santé en général, mais plus particulièrement sur le tabagisme. Donc, vous allez voir que ça serait vraiment la thématique de la journée et on voudrait essayer de réfléchir autour de ça ensemble. Pour commencer, cependant, je voudrais présenter les membres de l'équipe ISIS pour que vous puissiez les repérer facilement au courant de la journée. Donc, je vous invite d'aller leur parler après leur présentation, parce que chacun va présenter, pendant le 5 à 7, pour discuter davantage avec eux ce qu'ils ont trouvé. Donc, je vais être un petit peu méchante, puis je vais vous demander de vous monter quand je vais appeler votre nom. Donc, je commence avec Julie Vallée, qui est chercheur en géographie au CNRS en France, dans le laboratoire Géographie Cité. Elle a été chercheur invité à l'Université de Montréal entre 2013 et 2015 et est vraiment un acteur clé dans le projet ISIS. On a énormément travaillé ensemble au tout début du projet, puis on continue à collaborer avec beaucoup de plaisir ensemble. Elle est la coordinatrice du projet Relate Health pour une approche relationnelle des effets du lieu sur la santé en lien avec le projet ISIS. En deuxième lieu, Martine Charek, qui a fait son doctorat au sein de l'équipe ISIS. Elle est actuellement récipiendaire d'une bourse postdoctorale Banting, basée à la Dalhousie School of Public Health à l'Université de Toronto. Nicole Glenn, qui est stagiaire postdoctorale des IRSC avec des affiliations avec l'IRESPUM et l'UDM. Adrienne Gnadenick, qui est candidat au PhD à l'Université de Montréal et affiliée à l'IRESPUM et au CRCHUM. Thierry Gagné, qui est candidat au doctorat à l'Université de Montréal et affilié à l'IRESPUM.
José Lapalme, qui est candidate au PhD à l'Université de Montréal et affiliée à l'URESPUM et personne importante pour la journée aujourd'hui. Zobel Tuanga Tongambu, elle est étudiante à la maîtrise au sein de l'équipe ISIS. Anaïs Dubreuil, elle est doctorante en géographie en France à l'Université Paris 7 Diderot au sein du laboratoire Géographie Cité. Elle fait son doctorat au sein de l'équipe Relate Health et ISIS. Et, last but not least, Geneviève McCready, qui est candidate au PhD à l'Université d'Ottawa, mais a fait sa maîtrise au sein de l'équipe ISIS. Bon, ce que je voudrais vous présenter assez brièvement dans les prochains 15 ou 20 minutes, ce sont les raisons d'être de mon programme de recherche ISIS, les projets qui y sont associés, ainsi que les prochains pas et son application par rapport aux politiques publiques. Donc, je veux juste vous montrer trois constats qui ont été vraiment à la base de tout mon programme de recherche, puis qui nous ont vraiment menés à monter le projet ISIS, puis qui nous fait continuer à travailler là-dessus. Le premier, c'est le suivant, ce sont des données canadiennes qui proviennent de Corsi et al. Depuis les années 60, la prévalence populationnelle du tabagisme est descendue de façon magistrale. Donc, si vous regardez sur l'écran, vous allez voir deux graphiques. À gauche, pour les femmes, depuis 1950, terminant en 2010, et pour les hommes, à droite. Il y a quatre lignes, et ils sont stratifiés par éducation. Donc, vous allez voir en bas, en vert, ici, ce sont les gens les plus éduqués, donc ceux qui ont un diplôme universitaire. Et en haut, la ligne bleue, ce sont les gens qui n'ont pas terminé leur secondaire. Et ce que vous constatez, c'est extraordinaire et c'est vraiment à la base de tout notre travail, c'est que d'abord, dans les années 50, l'écart entre les groupes éducatifs pour les hommes et pour les femmes était beaucoup moins grand que l'écart en 2010. Cependant, depuis les années 50, la prévalence du tabagisme dans chacun des groupes éducatifs est descendue. Donc, tout le monde en a profité de tous les travaux faits par les gens dans la lutte au tabagisme. Mais ce qu'on voit, c'est que les écarts, donc la distance entre les lignes, a augmenté d'une façon très importante depuis les années 50. Donc, des gains au niveau de la prévalence, mais un problème grandissant au niveau des inéquités sociales de tabagisme. Et c'est ce premier constat-là qui nous dérange. Deuxième constat qui n'est pas évident dans ces acétates-là, c'est que les grandes interventions populationnelles par rapport, par exemple, les politiques publiques de non-tabagistes dans les lieux publics sont venues en place autour des années 90, les tout débuts, puis on voit les écarts grandissant davantage. Donc, il y a un constat, une discussion actuellement sur le fait que peut-être la façon dont on intervient gruge les inégalités sociales de tabagisme davantage. Donc ça, c'est le premier des constats. Le deuxième des constats, c'est qu'il y a une répartition inégale du tabagisme à travers des milieux de vie. Si vous regardez cette carte, c'est une carte de l'île de Montréal, puis ce qu'il y a en rouge, c'est le pourcentage, c'est les quartiers de Montréal où il y a une proportion de fumeurs au-dessus de la moyenne à Montréal. Pour ceux en gris foncé, c'est semblable à Montréal, donc vers la moyenne. Et dans les quartiers en jaune, c'est inférieur au niveau de Montréal, donc ceux qui ont la prévalence la moins élevée. Ce que vous allez constater tout de suite, c'est que ce n'est pas du tout aléatoire la façon dont ces prévalences-là se situent sur l'île de Montréal. Ce qui est important pour les gens de Montréal, à peu près tout le monde dans la salle, c'est de savoir que les endroits où les gens fument le plus, c'est les endroits où les gens sont le plus défavorisés socialement et matériellement. Et les endroits où les gens fument le moins, c'est les endroits où les gens ont tendance à être le plus favorisés. Ce n'est pas aléatoire. Même à l'intérieur de Montréal, qui est une ville où on dirait qu'on devrait avoir une répartition un petit peu égale, il y a une répartition inégale. Donc, ce qui nous fascinait ou ce qui nous problématisait, c'est comment ça se fait que dans une même ville, il y a des inégalités sociales de tabagisme. Ça, c'est le deuxième des constats. Le troisième constat, c'est que
non seulement le tabagisme se répartisse inégalement socialement et dans l'espace, mais aussi dans les groupes d'âge. Si vous regardez ces données-là, elles sont toutes fraîches, et on voit deux courbes ou deux lignes. La ligne en bas, en rouge, c'est pour les gens de 12 à 17, ça c'est au Québec, et en haut, en jaune, des jeunes de 18 à 34. Ce qui est important encore là, c'est que de 2007 à 2013, il y a eu une diminution à travers la prévalence pour tout groupe d'âge, à part les jeunes adultes. Donc, il y a eu, ce qui est important, c'est que cette diminution qu'on a vue dans le restant de la population, on ne le voit pas chez les jeunes adultes. Et non seulement ça, mais dans ce groupe-là, la prévalence est la plus élevée de tout groupe d'âge. C'est un groupe d'âge qui est, jusqu'à date, un petit peu oublié. Et donc, notre projet s'est dit, on va s'attarder sur ce groupe d'âge-là, qui est un groupe extrêmement important. C'est un moment de transition dans la vie des gens. Et vous allez entendre beaucoup plus parler de ça avec plusieurs des présentations cet après-midi. Donc, trois constats. Inégalité sociale de tabagisme grandissante, même avec une prévalence qui baisse pour chaque groupe, et des interventions populationnelles. Deuxième constat, les inégalités sociales de tabagisme basées sur les milieux de vie. Et troisième constat, les jeunes adultes avec la prévalence de tabagisme le plus élevée, et ceci est en train de stagner. Et ça m'amène au projet ISIS. Donc, notre étude appelée ISIS vise à donc comprendre comment les inégalités sociales de tabagisme surgissent dans les milieux urbains chez les jeunes adultes. Notre cadre théorique provient d'une belle collaboration qu'on avait dans le temps au tout début de la création du Centre Leurobac avec Paul Bernard, Rana Sharafeddine, Yann Kestens, Louise Potvin, Marc Daniel et moi-même. Ce cadre essaie de démontrer comment les individus et leurs environnements interagissent pour créer les inégalités sociales de santé. Au niveau individuel, donc en bas, on explore comment les ressources individuelles qu'on opérationnise avec les capitaux culturels, biologiques, économiques et sociaux interagissent pour créer des inégalités de santé. C'est-à-dire, des gens de niveaux différents auraient une santé plus ou moins bonne, et ce, à travers le temps. L'importance du temps est donc cette flèche que vous voyez, ou du life course en anglais par manque de meilleurs termes, et le niveau individuel d'inégalité sociale de santé sera exploré tantôt par Thierry Gagné et Anaïs Dubreuil dans leur présentation. Donc, c'est cette partie en bas qu'ils vont mettre en lumière. Si on passe au niveau supérieur du cadre, le niveau qu'on appelle le quartier, on s'est intéressé dans le temps aux ressources au niveau des milieux de vie qui façonnent la santé des gens. On discute de cinq différents domaines de ressources. L'environnement économique, l'environnement institutionnel, l'environnement physique, les organisations communautaires et la sociabilité locale. L'idée de cette catégorisation est que les milieux offrent, ou pas, de façon inégale, des ressources par les différents domaines dans les quartiers. Au niveau des quartiers, ou mieux dit, l'espace ou les milieux, vous allez entendre Adrian Gnadenek, Julie Vallée et Martine Charek, qui apporteraient chacun leur propre appréciation de la façon dont les environnements urbains influencent inégalement la santé des gens. Et notre cadre essaie donc de comprendre cette interface entre les inégalités sociales au niveau individuel avec les inégalités des ressources au niveau des quartiers et comment eux, ensemble, façonnent la santé inégalement à travers le temps. Mais le comment de tout ceci de façon qualitative sera couvert par Nicole Glenn et Geneviève McCready dans leur présentation tantôt. Tout ceci a donné donc naissance au projet intitulé « The Interdisciplinary Study of Inequalities in Smoking », notre premier projet discuté aujourd'hui et subventionné par les IRSC de 2011 à 2016. D'abord, dans ce projet-là, l'objectif était de mieux comprendre comment les individuels et les quartiers influencent ensemble les inégalités de tabagisme. Je vais juste expliquer très brièvement les différentes collectes de données pour que vous sachiez ce qu'on a à notre disposition. Puis ça donne un petit peu le portrait de ce que les doctorants et les autres membres de DISIS vont expliquer. Donc, on avait une première collecte de données qu'on avait faite au niveau individuel. On est allé chercher
des données échantillonnées aléatoirement des gens des 35 territoires CLSC sur Montréal. Donc, on voulait un échantillon aléatoire de jeunes entre 18 et 25 ans en 2011 qui habitaient le territoire. OK? On a travaillé fort pour aller chercher nos 2093 participants qui sont devenus nos sujets ISIS. Et cette collecte-là a été faite par questionnaire. Et dans le questionnaire, on a collecté toutes sortes d'informations, surtout au niveau individuel, sur les ressources que les gens ont, mais aussi d'autres informations au niveau de leur quartier. Puis Julie Vallée et Anaïs vont aussi vous faire part de certaines de ces données-là. On a eu une deuxième collecte de données dans l'été de 2012, où on est allé chercher des données collectées au niveau des rues aux alentours de là où nos participants vivaient. Donc, on a échantillonné aléatoirement une rue à l'intérieur de l'aire de diffusion où habitaient nos participants à l'époque de 2011. Et on est allé observer dans ces endroits-là comment se répartissaient les ressources au niveau du quartier dans ces environnements-là. Donc là, on a plein de données là-dessus, puis Martine et Adrienne vont nous donner part un petit peu de quelques-uns de ces résultats-là. Finalement, il y avait une collecte de données en 2014 où on est revenu à nos individus, nos participants ISIS, pour leur demander des questions très semblables au temps 1, mais on voulait savoir si leur situation de ressources a changé, parce que ce qui nous intéressait, c'était le temps et le changement dans les ressources et comment ceci influençait leur taux de tabagisme. Bien sûr, j'avais oublié, on demande plein de questions sur leur pratique de tabagisme, également au temps 1 qu'à temps 3. Donc ça, c'est pour le premier projet ISIS 1. On a, entre-temps, on a beaucoup réfléchi, on a énormément travaillé, puis on s'est rendu compte qu'il y avait un élément clé qui nous manquait dans nos données qui était purement quantitatif dans le projet ISIS 1, et ça donnait lieu au projet qu'entre nous, on appelle ISIS 2, mais juste pour rendre les choses plus faciles. Donc, ce projet-là a vu le jour en 2011, encore là, subventionné par les IRSC et vient tout juste de terminer il n'y a pas très longtemps. Ce projet avait comme objectif de mieux comprendre comment les inéquités sociales de santé proviennent localement en explorant comment les gens utilisent et interagissent avec leur quartier et avec leurs ressources. Donc, on avait ces informations quantitativement organisées, mais on voulait savoir des gens comment eux, ils interagissaient avec ces ressources. Donc, nous avons choisi 5 quartiers parmi les quartiers sur l'île de Montréal, 3 socialement avantagés, 2 socialement désavantagés, et on les a échantillonnés par ceux qui avaient une prévalence de tabagisme très élevée et très bas. Donc, on voulait des quartiers et des taux de tabagisme qui avaient des niveaux très élevés et très bas des deux bords. De ces 5 quartiers, nous avons recruté 27 participantes qui faisaient partie de nos participants ISIS du temps 1. Et notre coordinatrice, Syrah, a fait des entrevues « go along ». Pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu parler de cette méthode-là, qui a été créée par un anthropologue, c'est vraiment fascinant. En fait, l'idée de cette entrevue-là, c'est que le participant est le guide pour l'entrevueur et on fait un tournée de son quartier avec le participant qui guide l'intervieweur dans la discussion sur les ressources qui sont utilisées ou pas par les gens dans le quartier. Donc, c'est un genre de entrevue participative où c'est vraiment le participant qui guide. Nicole Glenn a été parmi les maîtres de ce projet et vous donnerez quelques résultats tantôt. Un projet associé à ceci a fait sujet de mémoire de maîtrise de Geneviève McCready et elle va vous parler de quelques résultats aussi tantôt. Finalement, tout ceci nous a amené à réfléchir
à un moment charnier. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes dans la salle qui ont travaillé sur la loi 44. Ce moment de changement dans les lois sur les politiques publiques par rapport au tabagisme au Québec. Et on s'est demandé comment cette loi-là allait influencer les inégalités sociales de tabagisme. Donc, cette réflexion-là nous a amené ce printemps à déposer un projet qu'on appelle le projet Loi 44 et qui vient d'être subventionné par les IRSC et le CCSRI conjointement. Et ce projet est en grande partie le projet de thèse à José Lapalme. Qu'est-ce que ce projet vise? Bien, elle vise à comprendre comment et si la nouvelle loi va influencer les inégalités sociales de tabagisme. On n'a aucune idée. Est-ce que ça va les améliorer, les empirer? Et on a plusieurs questions qu'on se demande dans ce projet-là. C'est, on va analyser les documents de la loi 44 pour savoir est-ce qu'il y avait une discussion sur les inégalités sociales de tabagisme en préparant la loi, et si, quelle était la teneur de cette conversation-là. On va faire, c'est plutôt José qui va faire des entrevues avec des praticiens de tabac, de contrôle de tabac, pour savoir quel est leur point de vue sur l'importance des inégalités sociales de tabagisme et comment ils pensaient influencer ces inégalités-là. On va aussi faire appel à nos participants d'ISIS pour leur demander comment cette loi-là les a influencés. Donc, on continue à être en contact avec nos participants. Et finalement, on va analyser des données du CCHS pour faire une analyse des changements au niveau des inégalités sociales de tabagisme en temps réel au Québec. Donc, ceci vous donne un portrait très, très sommaire de ce qu'on a fait, mais ça dresse le portrait de ce qu'on a fait ensemble depuis 2011. Et je voulais juste, très brièvement, je termine, vous faire part deux des raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui. Puis, parmi les raisons qu'on s'est dit en équipe, c'est vraiment le moment maintenant pour organiser cette rencontre. Donc, comme je viens de dire, il y a la loi 44, qui, en anglais, un Act to Bolster Tobacco Control. Puis, pour ceux qui ne savent pas dans la salle, cette loi-là est vraiment le prochain pas des lois qui ont été mises en place en 2006. Donc, c'était les premières grandes lois d'interdiction de fumer dans les places publiques. Là, 2015, on a décidé de réduire encore davantage les places, les lieux, les pratiques de gens qui fument. Donc, les quatre grands changements dans cette loi-là, c'est d'abord, il est devenu illégal de fumer dans les voitures avec des enfants présents. Donc, si on est trouvé en fumant dans une voiture, on peut procurer une amende. Deuxième des choses, c'est devenu illégal de fumer dans les terrains de jeu. Troisième, il est illégal, interdit de fumer sur les terrasses qu'on voit partout à Montréal. Et quatrièmement, il est interdit de fumer en dehors de n'importe quel bâtiment public à 9 mètres de la porte. Donc, quatre grands changements, c'est une restriction davantage des lois qui ont été mises en place en 2006. Donc, ça, c'est le premier des événements, puis on s'est dit que c'est vraiment un moment de réfléchir ensemble autour de l'impact possible de cette loi-là sur les inégalités sociales de tabagisme. Le deuxième, c'est une opportunité qui est en branle actuellement. Donc, la stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme a été mise en place en 2001. En 2012, la stratégie a été renouvelée pour une période de 5 ans en vue de la mise en place d'une présence fédérale ciblée afin de préserver les progrès réalisés au cours de la dernière décennie et de maintenir la tendance décroissante dans la prévalence du tabagisme. L'année passée, le gouvernement fédéral, et je soupçonne fortement que c'était vraiment avec l'appui du gouvernement libéral, a fait une consultation publique sur les enjeux futurs du tabagisme au Canada et lancé leurs nouveaux objectifs pour le renouvellement de cette stratégie pour 2018. Donc, il y a eu une énorme opportunité pour les gens, en fait, tous les citoyens,
d'envoyer leurs réflexions sur le futur de la lutte au tabac. Et ce qui est particulièrement frappant pour nous, notre équipe, c'est les priorités que vous voyez à l'écran. Il y en a 5 dans cette nouvelle stratégie. La première, c'est de réduire la prévalence du tabagisme à moins de 5% avant 2035 ou pour 2035. Le deuxième, c'est de protéger des jeunes. Ça nous touche beaucoup. C'est de mettre l'emphase sur les peuples autochtones. Quatrième, c'est de mettre l'emphase sur les inégalités sociales de tabagisme. Et le cinquième, c'est d'aider les gens qui fument à cesser. Pour nous, c'est la première fois qu'on voit au niveau fédéral autant d'emphase mise sur les inégalités sociales de tabagisme. Donc, on prend vraiment l'occasion aujourd'hui de réfléchir avec vous sur comment on peut mieux faire. Et cette stratégie-là va être parmi nous pour les prochaines années, puis on veut faire partie de la conversation ensemble. Donc, ceci met fin à ma présentation. C'était en guise de présenter un petit peu le portrait de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de répondre. Oui, donc la question, c'est dans les stratégies fédérales, est-ce qu'ils visent à augmenter le prix du tabagisme? Ça fait partie des discussions. Définitivement, ça faisait partie. Vous pouvez aller chercher les résultats de la consultation qu'ils ont faite, puis c'était une grande discussion qui a eu à travers les consultations. La stratégie n'est pas terminée, donc il y a encore une possibilité d'en discuter, mais ça fait définitivement partie des discussions. Y a-t-il d'autres questions? OK. Donc, la question, c'est, dans la stratégie fédérale, y a-t-il une stratégie pour aider les gens qui fument à arrêter de fumer? Encore là, la stratégie n'est pas encore en place, mais effectivement, si vous regardez, il y a un document sur leur site qui est issu des consultations. Vous allez voir qu'il y a eu énormément de discussions là-dessus. Ils n'ont pas statué encore, mais ça fait partie des discussions de diminuer le prix des substituts. Bien sûr, une des choses, et j'imagine qu'il y a plusieurs experts dans la salle là-dessus, une des grandes discussions là-dessus, c'est sur les cigarettes électroniques. Oui. OK. Dans la discussion, moi, je ne suis pas une spécialiste de la stratégie fédérale. Hein. Je l'ai mis là parce que ça fait partie du contexte de ce qui… Donc, la question posée en web diffusion, c'est un des 5 priorités, c'est par rapport aux populations autochtones. Puis la question, c'est est-ce que l'objectif, c'est de diminuer la prévalence du tabagisme chez les autochtones ou de diminuer la vente du tabagisme dans les communautés autochtones? Ma lecture de la stratégie fédérale, c'est de mettre l'emphase sur ceux qui souffrent du tabagisme. Donc, d'abord, c'est vraiment plus comment mieux travailler avec les communautés autochtones pour diminuer le tabagisme dans ces populations-là. Mais, évidemment, il y a des discussions sur, et ce n'est pas juste dans les communautés autochtones, hein, la vente illégale du tabagisme, ça existe bien en dehors des communautés autochtones. Donc, bien sûr, ça fait partie des discussions. Absolument. Non. Oui, mais c'est illégal autrement, puis il y a d'autres qui en font. Oui, mais ça fait définitivement partie des discussions. Oui. Merci pour la question, Christina. Donc, la question pour ceux en web diffusion, c'est, il y a beaucoup de discussions sur la cigarette électronique, puis le fait de le mettre sur le marché, ça,
normalise le fait de fumer. Et la question, c'est est-ce que la légalisation du cannabis va davantage normaliser? Je vais inviter Rebecca à venir répondre à la question parce qu'on a une experte dans la salle. Peux-tu venir au micro? Oui? Pourquoi pas? I'll have to answer in English. I think those are great questions. I've worked in tobacco control and also now in cannabis legalization policy for youth. I think in the public health community, the critical harm reduction approach is that we have to be more open to the harm reduction potential of e-cigarettes for smokers. At the same time, looking at this idea of normalization for youth. In the question around cannabis, we know, like Kate presented, for those young adults 20 to 24, those are the main group of people who use right now. The prevalence is the highest in this group. The Canadian Cannabis Survey recently showed 43% have passed year prevalence of cannabis use, right? So the normalization is already taking place. In the context of legalization, I would like to see tobacco control and cannabis people work together for harm reduction for safer ways of consuming cannabis. The Canadian Public Health Association, the Canadian Psychiatric Association, and the Canadian Medical Association have endorsed Canada's lower risk cannabis use guidelines, and top among those recommendations are, if you're going to consume cannabis, smoking is the least beneficial way to do that. We have to look at the less harmful ways, including oils, vaporizing, and edibles. Yeah, so that's the short answer. Thanks. José, est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions? Y a-t-il une dernière question brûlante? Oui, s'il vous plaît. Excellente question. Donc, pour les gens par web diffusion, la question, c'est par rapport au projet ISIS et le fait qu'on s'intéresse aux jeunes adultes et le fait que les jeunes adultes sont très mobiles. Donc, comment on a fait pour repérer les gens et évaluer l'effet de l'environnement sur le tabagiste des gens qui sont très mobiles? Bien, je répondrai de deux façons. D'abord, vous allez entendre beaucoup de ça à travers les travaux, surtout d'Adrian. C'est un peu son projet de thèse. Mais, viens répondre. Oh. I guess, again, you'll see not just me, but Martine will talk about that as well. So, yes, we're fully cognizant that we have to take into account mobility. So that's not what I do, in fact, that's what Martin does. But also even around residential environments, you do see many features that actually play a role in smoking behavior in young adults. So there are a couple of methodological ways of making sure that we're capturing the, as close as possible, the environment to which young adults are exposed. Having said that, and that's what you'll see with part of what I'll be presenting later today, but then you'll have to look at, basically activity spaces, so where else young adults go. Now, if you're talking about if they move elsewhere, that's a different story. We couldn't capture, let's say, with our data. OK, merci.